laissez-moi citer ces citations de Justin Chrysostome d'Orsainville avant même de vous saluer. Et ces citations vont servir de base à tout l'exposé que je vais faire. D'Orsainville déclare: il est un fait curieux de constater à quel degré nos historiens et nos sociologues, dans l'étude des dominantes de notre évolution historique, ont complètement négligé l'Afrique. Et quelque part, il dit encore: on ne peut pénétrer intimement la mentalité du peuple haïtien sans une étude approfondie de nos antiquités africaines. Et ailleurs, il déclare à nouveau: grattez l'haïtien le plus civilisé sous la couche des civilisations dont la revêtue un siècle de progrès intellectuel, vous trouverez le Guinéen. Donc, après avoir cité ces citations bénies, je peux vous saluer maintenant. Otep à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va entamer l'étude philologique du vaudou haïtien. Et ce faisant, nous allons dissiper les préjugés des fanatiques chrétiens sur cette spiritualité traditionnelle. Et en faisant cette étude, on verra comment que les problèmes qu'il y a entre le vaudou et le christianisme est un problème de jeu de mots. On verra également que les thèmes utilisés dans la théologie judéo-chrétienne en sont les mêmes qu'on utilise dans le vaudou, seulement la méconnaissance et la diabolisation des langues négro-africaines nous font comprendre le vaudou sous un autre angle. Et si nous continuons d'étudier le vaudou dans le cadre haïtien limité, dans l'espace haïtien, on ne comprendra jamais. Donc, dans l'étude de l'identité haïtienne, beaucoup d'historiens haïtiens, soit par leur foi chrétienne, soit pour plaire à la communauté scientifique occidentale qui conçoit la culture haïtienne qui est le vaudou telle qu'une barbarie, ne songeaient jamais de remonter aux racines africaines de notre identité. Donc, c'est là le problème fondamental de nos sociologues, de nos ethnologues, de nos historiens. Donc, il faut dire que le vaudou est une science. Donc, comme toute science, le vaudou a des thèmes spécifiques liés à ses champs lexicaux. Donc, un docteur haïtien du nom de Corsé Réginal, qui connaissait parfaitement le vaudou et la physique quantique, il est un docteur en médecine, il dit que le vaudou est la physique quantique et la mécanique quantique. Donc, le vaudouisant était en avance sur son temps selon lui. Il a publié un ouvrage qui démontre toute sa position. Et cet ouvrage est publié en anglais. Et cet ouvrage a pour titre « The Vodoum Quantum Leap ». Donc, en disant cela, il faut se rappeler que Kalala Omutande et même des physiciens occidentaux sont d'accord que la spiritualité africaine est la physique quantique. Donc, il faut se rappeler que dans l'univers nègre, la science et la spiritualité sont inséparables. Donc, on ne peut pas être spiritualiste sans être scientifique dans le monde nègre. Donc, lorsqu'on dit scientifique là, il ne faut pas entendre les gens qui allaient étudier dans les universités occidentales. Mais il y a des hommes de la spiritualité traditionnelle haïtienne et africaine qui ne savent ni lire ni écrire, qui peuvent ébranler le monde. C'est un fait avéré. Donc, Ogo Temeli, un vieillard du Mali, est une preuve vivante de ce qu'on vient de dire là. Donc, Kalala Omutande, le grand savant notre maître, dit que Albert Einstein est considéré comme le plus grand physicien, le plus grand physicien ou scientifique du monde moderne, ne peut égaler en aucun cas un vieillard du village qui maîtrise parfaitement bien les lois de l'univers, les fonctionnements, les mécanismes de l'univers. Bon, on peut trouver ça choquant, mais c'est vrai. Parce que les scientifiques occidentaux allaient dans les villages africains pour trouver les savoirs, et ensuite ils vont en Europe et pour faire des conférences pour dire qu'ils sont des grands scientifiques. C'est là le problème. Et c'est pourquoi il faut surveiller, il faut organiser, il faut mettre à l'abri nos savants scientifiques traditionnels. Donc,
Et ce qui est dit là est avéré. Parce que mes amis, la NASA dépense des millions de dollars pour comprendre et pour percer les énigmes du vaudou haïtien. Mais malgré tout, on n'en arrivait pas. Donc, Dr. Reginald dit que le prêtre du vaudou est un physicien au même titre que le physicien étudié dans n'importe quelle université en Occident. Et donc seulement les vaudous haïtiens haïssent eux-mêmes parce qu'ils ont reçu une éducation pour haïr eux-mêmes. Donc, il faut dire que la physique quantique, qui est la physique moderne, confirme totalement le vaudou et les autres spiritualités traditionnelles africaines. Cependant, les chrétiens sont obligés d'élaborer une théorie qu'on appelle théorie créationnisme pour s'opposer à la physique moderne. Parce que les explications qu'on donne dans la Genèse, si c'est Moïse qui a écrit ça, qu'on donne dans la Genèse, qui décrivent l'origine du monde, sont irrationnelles. Donc, cependant, la cosmogonie haïtienne et la cosmogonie africaine et sont en accord avec les théories expliquant les origines du monde par la physique quantique. Cela démontre que la théorie, la spiritualité négro-africaine, haïtienne et africaine, est la science au vrai sens du terme, mes amis. Il faut être clair. Mais ce qui est surprenant tout ça, le Dieu des chrétiens qui créa le monde ne connaissait pas même le monde. Ne connaissait pas même les lois qui gouvernent l'univers, ne connaissait pas les mécanismes de l'origine du monde. Donc c'est d'innocence. Bon, ils ont trouvé des gens assez simples pour le croire. Donc la Bible est une ineptie. La Bible est d'innocence. Aucun Dieu ne peut écrire cela. Seul un ignorant peut écrire et de telle ineptie. C'est un fait avéré. Un Dieu qui créa le monde ne connaissait même pas le monde qu'il avait créé. C'est d'innocence. Donc, il faut dire que la tradition vaudou africaine est à la base des religions dites révélées. Parce que le docteur Atu Oli, en prenant la défense du vaudou à la montée du protestantisme en Haïti sous l'occupation américaine, où les Américains persécutaient le vaudou, les Américains traitaient le vaudou tel qu'une superstition africaine pratiquée par des Haïtiens au plein cœur de l'Amérique. Les Américains, les théologiens protestants américains publiaient des documents tels que le roi de la Renave pour diaboliser le vaudou. Donc, à ce moment-là, Atu Oli prend l'os du vaudou en publiant un fameux ouvrage titré « Les Diamonds du culte vaudou ». Et dans lequel il a fait cette déclaration. Il dit, des milliers d'années avant l'avènement du Christ, des théologiens, des philosophes nègres, groupés ensemble, avaient érigé des espèces d'académies pour étudier les problèmes du monde physique et la destinée humaine. Toute la législation théocratique de Moïse, c'est-à-dire le code social et religieux inscrit dans la Bible, porte l'empreinte de formules sacrées de la foi nègre à laquelle le mari de Séphora, l'Éthiopienne, a été initié durant son séjour, tant en Éthiopie qu'en Égypte, par son beau-père, Pétro, nègre, authentique, s'il n'en fut jamais. Donc, quelle déclaration pleine de sens. Je vais montrer ça. Le vaudou, le judaïsme, l'islam, les religions dites révélées sont issues du vaudou. Parce que le vaudou existait depuis la nuit des temps. On va voir cela tout à l'heure. Donc, ce que dit l'auteur est totalement vrai. Le vaudou est la spiritualité primitive, mes amis. C'est la première spiritualité du genre humain. Donc, les libations, les sacrifices faites avec les pigeons, les moutons et tant d'autres animaux dans le judaïsme des anciens hébreux sont des emprunts faits à l'Afrique, ou plutôt à l'Égypte ou à l'Éthiopie de l'Antiquité. Donc, si on lit le livre de Lévitique, de la Genèse, du Pentateuque, le livre de l'Exode, on constatera que tout ce qu'on fait dans le vaudou, on le faisait dans le judaïsme. Donc, seulement lorsque une chose est faite par un noir, elle est diabolique, mais lorsque cette même chose est pratiquée par un blanc, elle est divine. Mais on trouve des gens assez simples pour le croire, des ignorants, pour le supporter dans les inepties. Donc, mes amis, pour dissiper cette ignorance et cette discrimination culturelle ou religieuse, nous allons chercher les thèmes étymologiques des principaux thèmes utilisés dans le vaudou, dans les langues d'Aroméenne et dans les hiéroglyphes égyptiens. Là, tout rentrera dans l'ordre. On verra que l'ignorant est celui qui n'accepte pas
la diversité et qui minimise celui qui ne voit pas le monde comme lui. Il faut être clair. C'est lui l'ignorant. Donc, il est en notre fait qu'on ne pourra pas ignorer en Haïti. On pratique la momification. Il y a des hommes qui sont morts, on les enterre, des savants vomissants prennent les corps qui sont restés intacts pendant des années par des procédés à base de plantes. Le visage, le corps reste tel qu'il est, comme s'il ne s'agit pas de mort en pleine forme. Donc, en verrant cela, je me suis dit que la science de la momification suivie de la spiritualité africaine. Donc, si on organise les savoir-faire des vomissants, on obtiendra une science qui n'a pas de limite dans ce bas monde. Si on organise le savoir-faire des vomissants, on obtiendra une science qui n'a pas d'égal dans ce bas monde. C'est un fait avéré. Donc, c'est ainsi qu'on constate qu'il y a une forte parenté entre la spiritualité négro-égyptienne et le vaudou haïtien et la spiritualité traditionnelle africaine. Donc, nous qui faisons de la philosophie, on sait que la magie et la technique sont mères et filles. Donc, on sait parfaitement bien pour expliquer les origines de la connaissance scientifique, il y a des facteurs épistémologique qu'il faut prendre en compte, tels que la technique, la spéculation et la magie. On dit que la magie est le commencement de la raison humaine et que le déterminisme scientifique magique et programme le déterminisme scientifique. Donc, certains épistémologues vont un peu plus loin pour dire que la magie, c'est le passage de la connaissance empirique à la connaissance scientifique. Donc, ce qu'on dit de la magie là et de la spiritualité est vrai. Parce que la théologie est la plus vieille science de l'humanité. Et c'est pourquoi les premiers scientifiques étaient les prêtres qui détenaient toutes les sciences. Donc, les premières universités étaient les temples. Les grands scientifiques étaient les grands initiés des mystères des temples, mes amis. Et ces mystères n'étaient autres que les sciences physiques, les sciences mathématiques, les sciences philosophiques que nous étudions actuellement dans les écoles et dans les universités. Seulement, ces sciences étaient couvertes sous des thèmes théologiques, c'est seulement ça. Donc, ce qu'on doit faire est simple. Il faut prendre les connaissances traditionnelles haïtiennes et africaines dans tous les domaines, les théoriser, les expérimenter, les ériger en sciences positives, puis fonder des académies, des institutions d'enseignement pour transmettre ses savoir-faire, ses savoirs théoriques d'âge en âge à nos enfants. Bref, et pour étudier philologiquement le vaudou haïtien, il faut que je me pose certaines questions basiques. Et en répondant à ces questions, je vais développer tout le sujet. Donc, la question est que de quelle contrée d'Afrique viennent les Noirs qui constituent le peuple haïtien et quelle langue parlaient-ils? Et la deuxième question est: quelles sont les étymologies des thèmes utilisés dans le vaudou? Quelles sont leurs vraies significations? Donc, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions et en apportant ces éléments de réponse, je vais développer tout le sujet. Vous, qui nous regardez, restez là, regardez toute la vidéo, vous allez trouver beaucoup de connaissances pour vous enrichir. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo massivement dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Merci. Répondons à la première question portant sur les origines des Noirs qui habitent Haïti du temps de la colonie. En effet, sur le peuplement de Saint-Domingue qui deviendra par la suite Haïti, beaucoup d'historiens essayent de classer les habitants venant d'Afrique qui peuplaient la colonie. Moreau de Saint-Méry, le premier historiographe de Saint-Domingue, avait essayé de faire une classification. Il y a un père catholique qui se nomme Père Gabon. Lui aussi, il avait essayé de faire un classement. Donc, l'UNESCO tentait d'en faire une, mais de façon arbitraire. Mais un historien haïtien, Jean Fouchard, qui détenait les journaux de presse de Saint-Domingue, les archives, les documents des notaires de Saint-Domingue, depuis le début de la traite jusqu'à la constitution de la nation haïtienne, fait cette classification et méthodique. Et n'oubliez pas, et selon Jean Plasmas, Jean Fouchard est l'homme le mieux documenté de toute l'histoire d'Haïti. C'est un homme à qui on peut ajouter foi. Bon, et je vais lire pour vous
les propos de cet homme. Voici ce qu'il a dit. Il a dit cela dans son livre titré « Les marrons de la liberté ». Il dit « Cette classification est à la fois la plus proche de la réalité et celle en tout cas qui situe le mieux dans ses grandes lignes les origines de nos ancêtres de Saint-Domingue. Soudanais, on groupera ici les différents peuples de l'Afrique occidentale, du littoral ou des proches communautés des bords du Sénégal, de la Gambie, du Niger, en partant des ports négriers de Saint-Louis, puis de Gorée pour aller jusqu'au Cap del Palme. Sénégalais, Yolof ou Wolof, Calvé, Pel ou Pola, Tukulé, Bambara, Mandeng, Bisago, Soso. Guinéens, le peuple vivant plie au sud, mais toujours au nord de l'équateur, dans toute la région qui baigne le golfe de Guinée, et comportant notamment la Côte d'Ivoire, la Côte des Esclaves, la Côte d'Or, Kanga, Mouiki, Misérable, Mesurade, Kaplaou, Nago, Mina, Yoruba, Tiamba, Fon, Agusa, Soko, Fantin, Maï, Daomé, Arada, Kotokoli, Popo, Fida, Aoussa, Ibo, Moko, du Bénin. Bantou, ceux vivant au sud de l'équateur, principalement dans les royaumes du Congo et d'Angole, qui fit les limites de la traite par les Français, Congo, Franc-Congo, Mozambique, Malembe, Angola. À leur nom, ça s'ajoute vers la fin de la période coloniale, les Mozambiques, qui fut avec des très rares de provenance de Madagascar, par exemple, et de l'île Maurice, le seul apport et un apport massif de l'Afrique de l'Est. Donc, ça, c'est la fin de la citation. Et donc, Jean Fouchard donne ici et la liste de peuples, des tribus qui peuplent Haïti. Et les Soudanais, les Guinéens, les Bantous. Donc, maintenant, nous voyons d'où nous sommes venus. Donc, nous sommes des Bantous, des Guinéens, des Yoruba, des Soso, des Arada, des Ibo, des Congo, des Pel, etc. Donc, nous sommes Africains. On ne peut pas nier ce fait, mes amis. Certains Haïtiens disent qu'ils sont Haïtiens, qu'ils ne sont pas, qu'ils sont Haïtiens, ils ne sont pas Africains. Donc, il faut dire que ce langage est un manque d'estime de soi, c'est le fait de l'aliénation culturelle, mes amis. Donc, les Européens disent qu'ils sont venus du Caucase. Donc, ils n'ont aucune honte de se nommer Caucasiens. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi nous avons honte de se nommer Africains. Donc, de cette aliénation culturelle, le docteur Jean Prasmas écrit dans son maître livre, ainsi par la longue, il dit, à plus forte raison, le mot nègre, jadis thème, générique, acquiert-il un sens péjoratif. Quant à celui d'Africain, il a toujours été, il est l'apostrophe la plus humiliante qui puisse adresser à un Haïtien, à la rigueur, l'homme le plus distingué. De ce pas, aimerait mieux qu'on lui trouve quelques ressemblances avec un Eskimo, un Samoyède ou un Tungouz, plutôt que de lui rappeler son ascendance guinéenne ou soudanaise. Donc, à nos jours, les Noirs de la diaspora veulent mieux leur origine africaine. Pour eux, c'est une honte d'être africains, parce qu'ils sont éduqués pour haïr eux-mêmes, mes amis, parce que l'éducation occidentale est contre le nègre dans toute l'intégralité, et par conséquent, un Noir qui vient de cette maudite civilisation ne peut que mieux lui-même. C'est un fait avéré. Mes amis, en effet, on questionne sur le vaudou et les traditions orales haïtiennes. On veut savoir la culture de quelle tribu et une prédominance de la formation de la culture haïtienne. Donc, Jean Fouchard, considéré par Jean Prasmas lui-même comme l'homme le mieux documenté en Haïti, éclaircit ses points. Et dans ces mots, dans le même ouvrage dont on vient de faire mention là, il dit « Le vaudou pouvait offrir pour son implantation une attirance plus grande sur l'esprit des esclaves. Mais la vérité est que l'apport d'Aoméen de la formation du vaudou est si réel et important qu'il soit n'est pas un élément exclusif et seulement déterminant. Dans un récent mémoire, Madame Lila Desquiron a souligné l'apport considérable des Congos,
du groupe Bantou de la formation du Vaudou haïtien. Donc, et malgré les tribus sont diverses, les ethnologues ont retenu la prédominance de la culture du Bénin de la formation de la culture haïtienne. Donc, la prédominance du Guinéen est tellement forte, Jean Foucha lui-même déclare, il dit, le vocable Guinée symbolisa longtemps l'Afrique, mais aussi bien que le vocable Congo vers la fin de la colonisation, fin de la citation. Donc, il faut dire que ce fait n'est pas mal, puisque dans la langue berbère, le mot Guinée s'est dit Aguino, ce qui signifie pays des hommes noirs. Donc, c'est synonyme du mot Kemet, le pays des noirs, le nom de l'Égypte ancien, Kemet, le pays des noirs. Donc, il n'est pas mal d'appeler tout le continent africain Guinée. En Haïti, on dit Nanguinée. Lorsqu'on dit Nanguinée, on veut dire l'Afrique dans sa totalité en général. Et mes amis, après avoir élaboré ça, après avoir vu de quelle contrée d'Afrique nous sommes venus, donc on peut dire que quelles sont les langues parlées par les tribus dont nous sommes venus qui dominent le créole haïtien. Donc après avoir vu la langue tribale dominante, on peut étudier les concepts clés de la théologie du vaudou et là on verra l'ignorance qui règne dans l'esprit des aliénés. Donc, il est vrai que les nègres avaient emprunté des mots des langues des Taïnos, des langues des Arawaks, des langues des Caraïbes, ainsi que des mots anglais, des mots espagnols, des mots français en grande partie. Mes amis, il faut dire que ce n'est pas dans le français moderne, dans le français qu'on parle au XVIIe siècle. Donc, on a pris des mots dans le français, dans les gallo-romains, tels que le pica, le champenois, le normand, le gascon, le provençal, le français parisien, le wallon, etc. Mais il faut avouer que les créolistes sont d'accord que les dahoméens, les langues dahoméennes sont en prédominance dans le créole, spécialement dans le créole haïtien. Des dialectes tels que le fon, l'éré, le yoruba, le wolof, le mina, le goun, etc. dominent le créole haïtien selon les linguistes bien expérimentés. Donc, on peut voir que la théologie du vaudou est façonnée des langues dahoméennes. Donc, la cosmogonie du vaudou est faite des mots des langues des dahomé quasiment générales, mes amis. C'est à partir de ces langues qu'on va étudier les concepts clés du vaudou. Là, on verra comment nous sommes africains. Mes amis, pendant longtemps, pour obscurcir l'origine africaine des nègres haïtiens, on les fait croire que le créole est une langue née à Saint-Domingue et dans tant de colonies. Et c'est pourquoi on l'appelle créole. Donc, les Occidentaux disent que les nègres, dans l'incapacité de parler le français, et inventant une langue pour se communiquer dans la colonie. Donc, déjà, ce débat linguistique faisait rage pendant un bon nombre de temps. Une linguiste haïtienne, première gynécologue haïtienne dans l'histoire du peuple haïtien et premier anthropologue haïtien, et Suzanne Comer-Sylvain, fils de Georges Sylvain, grand intellectuel qui militait contre l'occupation américaine, qui introduit une ère dans la littérature haïtienne. Et on peut dire que Suzanne Comer-Sylvain est nièce de Benito Sylvain, parce que Benito Sylvain est frère au cousin de Georges Sylvain. Donc, il faut dire que Benito Sylvain, rappelez-vous, est le cofondateur du panafricanisme, le premier congrès du panafricanisme avec le noir trinidadien Henry Sylvester Williams. Donc, il faut dire que cette femme, Suzanne Comer-Sylvain, soutenait que le créole n'est pas une langue romane. Elle n'est pas une langue non plus indo-européenne. Donc, elle soutenait que le créole est une langue africaine, principalement une langue héroïque et arabe français. Donc, cette femme célèbre soutenait que le créole est dérivé des langues ébino-dahoméennes. Donc, dans son livre titré Le créole haïtien publié en 1936, elle dit, et c'est une langue héroïque à vocabulaire français. Donc, c'est une citation pleine de sens. Donc, on verra certainement que la langue héroïque domine toute la cosmogonie du vaudou haïtien, mes amis. Et les noms des dieux sont issus de langues dahoméennes. On verra cela. Bon, il faut dire qu'au moment de ces débats, le grand, je crois que c'est Jules Verne,
Il a soutenu que le créole est une langue roumaine. Mais ce n'est pas seulement Suzanne Cobert-Sylvain qui avait soutenu cela. Il faut dire que, après Suzanne, il y a un linguiste haïtien, Charles Fernapressoa, qui avait publié un livre titré Débat sur la langue créole et le folklore. Il a démontré que le créole est une langue africaine, sa grammaire, sa syntaxe est comme toutes les langues africaines. Et le créole a seulement des vocabulaires français et tant d'autres vocabulaires. Mes amis, il faut dire que, en disant cela, il faut voir que les Haïtiens sont des avant-gardistes, parce que les Haïtiens, en matière de pensée, ont devancé presque tous les Noirs de la diaspora et de l'Afrique, en matière de pensée. Il faut dire que, ensuite, Amamazama va reprendre la même thèse, elle va publier un livre titré Une introduction au créole guadeloupéen. Elle a soutenu la même thèse. Actuellement, il y a un disciple de Dibombaribok, Diolo, et il a publié un livre titré L'origine égyptienne de la langue dite créole. Et il a démontré que le créole est le dernier stade de la langue copte. Et la langue copte est le dernier stade de la langue parlée par les anciens égyptiens. Et donc, il a démontré que le créole est une langue parlée depuis la nuit des temps, depuis en Égypte. Donc, tout cela confirme que le peuple haïtien et le peuple africain et le peuple égyptien sont un seul peuple. Donc, puisque le vaudou est fait des langues de Dahomey, parlons d'abord des étymologies des termes désignant les lois du vaudou et leur signification originelle. Donc, après avoir étudié les termes théologiques du vaudou à la lumière de la langue de Dahomey, on va remonter jusqu'à l'Égypte. Mes amis, il est important de vous rappeler que le Fongbe, qui est l'un des dialectes Ewe, est une langue parlée au Dahomey ou Guinée. Donc, le Fong avait en usage une écriture hiéroglyphique qu'ils avaient ignorée. Seulement les prêtres et les initiés avaient connaissance de cette écriture. Donc, ainsi, de la force avait inventé un alphabet pour représenter les sons de ces langues. En effet, mes amis, pour comprendre les mots dahoméens conservés dans le créole haïtien, principalement dans le jargon vaudouique, il faut tenir compte de la modification phonétique parce que les Français avaient influencé les prononciations originelles de ces langues. Donc, on peut quand même repérer quelques mots, le pli courant utilisé dans le vaudou et les prononciations tant dans le vaudou et dans la langue dahoméenne. Donc, il faut dire que vaudou, prononcer vaudou dans le créole haïtien, maou prononcer maou dans le créole haïtien, maou prononcer maou omini dans le créole haïtien, aïzan prononcer aïzan dans le créole haïtien, okou prononcer okou dans le créole haïtien, dounou prononcer dounou dans le créole haïtien, akoué prononcer akoui dans le créole haïtien, zin prononcer zin, azetou prononcer azeto, Azenou prononcé Azenou, Aginakou prononcé Aginakou, Ageto prononcé Ageto, Legba prononcé Legba, Dangé prononcé Dangé. Donc, en un mot, les voyelles telles que A accent circonflexe, E accent circonflexe, I accent circonflexe, O accent circonflexe, U accent circonflexe doivent prononcer telles que des voyelles nasales, comme A, N, O, ou. Donc, de la prononciation du Fongbe, le W a le son ou et le J a le son gui. Donc, le Fongbe possède des sons qui sont difficiles à prononcer. Il correspond aux doubles consonnes. Par exemple, GB, KP, dans les mots Legba, par exemple, Alokpa, par exemple. Donc, il faut dire que le Fongbe est asexuel presque comme le créole haïtien. Et il me paraît important de signaler que Robert Kuss avait fait une classification des langues Ewe. Il dit qu'elles sont au nombre de 6. Ce sont Agnobe ou dialecte des Agno, Watigbe ou dialecte des Andfoué, Watigbe ou dialecte des Uchi, Anagbe ou dialecte des Zana, Maïbe ou dialecte des Maï, Fongbe ou dialecte des fonds. C'est-à-dire, le Fongbe est un dialecte des fonds, des populations des fonds. Donc, il faut dire qu'il s'agit là des variations des langues de la nation dahoméenne. Donc, ce qu'il faut retenir,
le fondement ou la langue des fonds domine parfaitement, totalement le créole haïtien et le vaudou haïtien. Donc, passons maintenant à quelques mots des langues dahoméennes conservées dans le langage, dans le jargon vaudouique. Donc, il faut dire que le fondement est un dialecte primitif monosyllabique. Donc, pour dire la lune en fondement, on dit sou. Et pour dire enfant en fondement, on dit vie. Donc, dans le dialecte fond, pour dire étoile, on dit sous-vie. Donc, enfant de la lune, parce que dans la cosmogonie primitive des fonds, les étoiles étaient considérées comme les enfants de la lune. Donc, c'est ainsi, dans le jargon du vaudou haïtien, on dit tchovi pour dire enfant. Tchovi pour dire enfant. Donc, c'est de là que vient ce terme mystérieux du vaudou haïtien. Donc, lorsque le Ougan ou le prêtre ou le Bokor ayant en lui une loi, le loi utilise ce mot pour désigner les adeptes du vaudou qui sont ses enfants. Donc, pour nous autres haïtiens, il s'agit de mystère, de langage inconnu, de parler en langue, comme on le dit dans le christianisme. Or, il s'agit d'une langue africaine, il s'agit de la langue des fonds, le fongbe. Donc, de même pour dire mais en langue fond, on dit allo. Et pour dire doigt, on dit lovi, allovi. Donc, parce que les doigts étaient considérés de la cosmogonie des fonds comme les fils de la main, les doigts, les fils de la main. Et c'est ainsi pour dire homme en fond, on dit soumou. Et pour dire femme, on dit momou. Et on l'a dit, le fond est asexué. On ne distingue pas le féminin et le masculin comme on le fait en français, et comme en anglais et autres. Donc, pour dire garçon, enfant, on dit soumouvi. Elle dit homme, enfant. Pour dire femme, pour dire fille, on dit moumouvi, c'est-à-dire femme, enfant. C'est comme ça, presque comme en créole. Donc, c'est là on voit que c'est la même langue. Donc, pour dire ciel, on dit maoué. Et pour dire Dieu, on dit maou. Donc, on dit is ou H-W-E. Et cela signifie demeure. Parce que dans la vision du monde, Dahoméen, le ciel était la demeure de Dieu. C'est ainsi, pour dire top, on dit vondoué. Vondoué. Donc, pour dire esprit ou saint, on dit vondou. Et demeure, on dit is. Donc, les temples étaient considérés comme les demeures des vaudous ou des esprits. Donc, là, on peut dire en gros que le mot vaudou en langue des fonds, c'est-à-dire le fondement, et le mot signifie esprit ou saint. Donc, et là, vous voyez le problème du jeu de mots. Le mot signifie esprit ou saint. Cependant, lorsque le théologien occidental critiquait les vaudous, il ne sait pas ce qu'il critiquait vraiment. Parce que le problème est à la base un problème étymologique, un problème linguistique ou un problème philologique. Parce que donc lorsqu'on dit en français Dieu est esprit, là on décrit la nature de Dieu. Mais si on dit Dieu est vaudou, si on dit cela, on peut dire que vous dites des bêtises. Là, vous diabolisez Dieu. Vous faites de Dieu un démon, un rien ou inordu quelque part. Parce que pour eux, le vaudou est synonyme de diable. Cependant, le mot veut dire esprit. Donc, si on dit Dieu est esprit et on dit Dieu est vaudou, on veut dire la même chose. Donc, c'est un problème de mots, un problème lexical, un problème lexicologique. Et c'est un problème minable, c'est un problème enfantin, mes amis. C'est un problème intellectuel et très, 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 très bas, mes amis. Donc, et un hôtel dans un temple est appelé vaudou tavou. Elle dit dans la langue fond, mais pour dire hôtel, on dit vaudou tavou. Donc vaudou signifie esprit, comme on vient de le dire, et tavou signifie table. Donc le mot en gros signifie table de l'esprit. Donc ce qui signifie en français chair, là où le prédicateur dans le christianisme se tient pour parler, pour haranguer. Donc cela signifie hôtel, chair. Donc où l'on sait l'esprit. Donc, il y a un problème linguistique à la base. Vous pouvez le voir, mes amis. Donc, le problème des Occidentaux est que tout ce qu'ils ne comprennent pas est diabolique. Au lieu de chercher à comprendre, ils diabolisent.
C'est pour cette raison. La masse occidentale est dans l'ignorance, mais c'est sauf quelques scientifiques qui étudient les civilisations anciennes, des linguistes, et c'est de sortir de cette ignorance en étudiant les langues, en étudiant les cultures des peuples africains. Beaucoup d'intellectuels européens sont sortis de ce marat. Donc, Montaigne a raison de dire, on appelle Baba tout ce qui n'est pas de son usage. Il faut dire que pendant que le Fongbe domine le vaudou haïtien, il y a des thèmes issus des autres langues africaines parce que le guinéen n'est pas le seul apport qui constitue le vaudou haïtien. Donc en Fongbe, Dieu s'est dit Baou. En Igbo, il s'est dit Jakou. En Ago, il s'est dit Olorou. Olorou en Ago. Donc beaucoup de vaudouisants appellent Dieu de cette manière. Mais ils pensent que ce thème vient de l'hébreu, du mot Elohim. Or, il s'agit d'un thème de la langue hébreu africaine, de la langue Nago. Donc, de même, pendant longtemps, on fait croire que le mot vaudou vient du mot vaudor. Il s'agit du culte idolâtrique des anciens hébreux lorsque Moïse allait recevoir les lois sur la montagne, les hébreux fabriquaient un vaudor, ils commençaient à l'adorer, tout cela, c'était une idolâtrie. C'est de là est venu le vaudou. Mais c'est une ignorance. Donc on dit encore que le vaudou, le mot est venu du mot vaudois, un groupe européen issu du christianisme. Tout cela est du non-sens parce que le vaudou est un mot issu de la langue des fonds. Donc c'est un problème philologique, mes amis, à la base. Et précisons, qu'est-ce qu'on désigne en réalité sous le nom de vaudou en Fongbe? Cet homme désigne les bons esprits, inférieurs à Mahou ou Dieu. Il désigne également les objets qui représentent les esprits. Donc, on désigne l'ensemble de la religion des vaudous sous le nom de vaudou. On utilise le mot vaudounou, ce qui signifie le culte des esprits. C'est-à-dire, la religion des vaudous est désignée sous le terme vaudounou. Donc, le culte des esprits, service des esprits. Donc, lorsqu'on dit vaudou pour désigner les pratiques des vaudouisants, on ne dit rien. On devrait dire de préférence vaudounou. Donc, ensuite, le pontife ou le prêtre du vaudounou s'appelle vaudounou. Le prêtre, vaudounou. Donc, ce n'est pas le bon corps, le vaudounou. Donc, plus j'irai, on dit vaudou il est. C'est-à-dire, Jésus par les vaudous ou par les esprits. Les Grecs de l'Antiquité avait l'habitude de jurer par Zeus, donc par le Dieu. Donc on dit vaudou de haut pour amener la colère des vaudous sur un ennemi. C'est une sorte de malédiction, comme on le fait dans le christianisme. Donc le mot pour dire offrande faite aux esprits, c'est dit vaudou moun. Donc un sacrifice peut être un coq ou un cabri. Lorsqu'il s'agit d'un coq, on dit vaudou nou coqlo nou vaudou. Vondou, you coclo, nous vondou. Vers la graphie à l'écran. Et donc, pour dire le sacrifice du cabri, on dit vondou, nous, bon, bovi, nous vondou. Sacrifice de cabri. Donc, il faut noter que la notion du mal, du péché, se trouve aussi dans le vaudou à l'origine. Parce que les thèmes théologiques pour désigner l'ensemble des mauvaises actions et de façon générale, c'est dit Vodou Beto. Et mais de façon particulière, on dit Vodou Beni, de façon particulière. Donc, c'est l'équivalent du mot péché de la religion antique égyptienne et dans les religions dites révélées, parce que ces religions dites révélées viennent de la religion égyptienne. Donc, on peut constater que tous ces mots ont une seule racine, le mot Vodou, dans la langue Fongbe. Donc, il y a des termes aussi pour dire et puis, les croyants, comme on le fait dans le christianisme, le païen pour dire ça. Donc, on dit, meno, c'est vaudou. Meno, c'est vaudou. Et le mot vaudoui signifie maudit. Donc, l'impie, c'est mono. Meno, c'est vaudou. Les croyants, l'impie. Donc, il y a des thèmes, mais dans le vaudou, on ne fait pas cette distinction. On a tout mélangé. Et c'est pourquoi le vaudou
à un problème d'organisation, un problème de théologie, un problème de système de pensée. Et c'est pourquoi nous devons ériger un système de pensée pour le velou, pour le réglementer, pour l'organiser. Donc, dans le vaudou, il y a des mots pour dire idolâtrie. Pour le dire, on dit vaudou, c'est nous ou a c'est nous. Vaudou, c'est nous ou a c'est nous. Donc, a c'est nous signifie sorcellerie. C'est un terme théologique du vaudou. Donc, une idole qui n'est pas le vaudou est appelée vaudou nukume. Vaudou nukume. Donc, et pour dire mauvais esprit. Or, une idole qui représente un vaudou, un esprit, est un vaudou wutu. Vaudou wutu. C'est-à-dire, il s'agit d'un corps qui reçoit l'esprit, un réceptacle de l'énergie. Une idole, une statue. Donc, et en général, le terme legba est l'équivalent du mot démon, comme yé legba signifie esprit bon, et c'est un terme utilisé pour dire ange aussi dans la langue des Fongbe. Donc, il y a des mots pour dire ange, bon esprit, il y a des mots pour dire mauvais esprit, démon. Legba signifie démon, mauvais esprit. Yé legba signifie esprit bon, ange. Donc, de même en égyptien ancien, on dit neterou, on dit les esprits, les anges. Donc, il y a tous ces concepts dans la cosmogonie, dans la théologie du vaudou. Mais on ne manque pas de mots. La théologie du vaudou n'est pas pauvre en mots, en termes, en terminologie. Mais seulement, les vaudouisants n'étudient pas, ils sont encore des ignorants. Ils pratiquent une tradition, mais ils ne tiennent aucun compte de la partie scientifique, de la partie philologique, et ce qui est important pour eux. Mais cependant, les vaudouisants haïtiens, en invoquant les lois, ils disent, ce sont des diables, ils invoquent des diables. Lorsqu'un patient va consulter un bon coréen, il dit qu'il va interpeller le diable pour le patient. Donc, les vaudouisants haïtiens diabolisent eux-mêmes, mes amis. Donc, c'est un problème lexical et problème de mots à la base, même pour les vaudouisants, les prêtres du vaudou. Et parce qu'ils sont totalement dans l'ignorance. Donc, par exemple, on peut dire que le malfaiteur qui tue une personne, après, il prend le zombie pour le faire travailler comme un esclave. Et ne sait pas le vaudou, c'est-à-dire le bon esprit. Il sait le vaudou kumune, c'est-à-dire un mauvais esprit qui n'est pas le vaudou. Il faut qu'il pratique le vaudou senou. C'est-à-dire qu'il pratique le vaudou senou, c'est-à-dire la sorcellerie. Il y a tous ces thèmes pour désigner ces pratiques malsaines dans le vaudou qui font du mal. Donc on peut dire que le malfaiteur qui fait cela, on peut l'appeler menocé vaudou, c'est-à-dire un impie, un incroyant, un sorcier. Mais cependant, pour eux, tous les bons corps, tous les ougans, les vaudouisants sont des sorciers. Même les vaudouisants se considèrent comme cela, parce qu'ils n'étudient pas, ils ne maîtrisent pas la philologie du vaudou, la science ou la spiritualité qu'ils pratiquent. Donc, il faut des lois établies pour punir un tel homme et malfaiteur dans le vaudou. Parce qu'il y a des termes pour désigner le malfaiteur, le croyant, l'impie. Mais on ne fait pas cela parce qu'on n'étudie pas le vaudou à la lumière de la langue des fonds, le fongbe. Donc, mes amis, on n'a pas de terminologie théologique dans le vaudou haïtien. On fait une confusion, on fait ce qu'on veut. Tout le monde fait ce qu'on veut, sans loi, sans des principes. Mais il faut organiser tout ça pour sauver la spiritualité, la tradition haïtienne. Il faut dire que l'utilisation du zombie n'est pas mauvaise en soi, mes amis. Mais c'est lorsqu'on l'utilise pour faire le mal. Rien n'est mauvais, mais c'est lorsqu'on l'utilise pour faire le mal. Donc, dans le monde, il y a des poisons, il y a des contre-poisons. Donc, on peut aller acheter des poisons pour faire quelque chose. Et puis partout dans le monde, dans toutes les civilisations. Mais si on achète un poison pour tuer une personne, vous êtes un malfaiteur. On peut vous arrêter, vous condamner. C'est ainsi dans le vaudou. On peut utiliser les zombies pour faire du bien. On peut utiliser les poudres pour faire du bien. On peut utiliser leur coup de l'air pour faire du bien. Mais lorsqu'on utilise tout ça pour faire du mal, pour tuer votre compatriote, pour tuer votre ami, là, vous faites du mal. De ce fait, vous devez être puni par les autorités puis condamné. Et c'est ce qu'il faut faire dans le vaudou. Utilisez les thèmes. Les thèmes sont là, les terminologies sont là. Les thèmes pour désigner les malfaiteurs, les impies, les incroyants. Il faut hiérarchiser, structurer, classer tout cela, former un système de pensée, des sciences. Et celui qui veut exercer la profession du prêtre du vaudou doit aller étudier dans cette théologie pour pouvoir bien structurer cela.
Et de ce fait, on allait exclure, bannir les malfaiteurs, sanctionner les malfaiteurs dans le vaudou. Mes amis, arrêtons un peu. Continuons avec l'étude philologique. Déjà dans le vaudou, le dimanche s'est dit vaudoubé. Le dimanche s'est dit vaudoubé. Ce qui signifie littéralement le jour des vaudous. Donc pour 10 jours, on dit Aza ou B. Pour 10 jours, on dit Aza ou B. Pour 10 les 7 jours de la semaine, on dit Aza Tewe. Aza signifie jour et we signifie 7. Donc les jours de la semaine sont appelés vaudou B, jour des vaudous. Premier jour de la semaine, vaudou B, ça y ou signifie jour des jeux. Vaudou B, ça zat aussi. C'est troisième jour après le vaudou B. Vaudou B si azené, quatrième jour après vaudou B. Vaudou B si azeto, cinquième jour après vaudou B. Vaudou B si azen, sixième jour après vaudou B. Vaudou B si azatewe, septième jour après vaudou. Bon, tout cela sous-entend que la monopolisation du jour de dimanche comme jour d'Israël est une tradition africaine. Il n'est nullement l'affaire du christianisme ou des religions dites révélées. C'est déjà existé dans le vaudou. Donc, on a tout, mes amis, mais on a tout négligé. On ne veut pas étudier scientifiquement. C'est là le problème du nègre. Il ne veut pas rendre scientifique sa spiritualité. La science se base sur l'observation. C'est l'observation de tout ce qu'on fait, qu'on peut faire. Science, après quoi on peut l'utiliser, l'étudier de façon scientifique. C'est là, c'est l'observation. Donc, il faut noter que le culte principal du vaudou à l'origine est le culte du serpent ou de la couleuvre. Donc, dans la spiritualité du vaudou, on dit da pour dan. L'incarnation du génie, on dit dagbe ou dangbe pour parler de l'incarnation du génie. Donc, les temples de dagbe étaient desservis pour des prêtres. Et dans les bois de Samoné, près d'Alada et Awida, c'est-à-dire Adaomé. Donc en Haïti, on ferme l'expression Dangbe Alada, ce qui donne le terme congolais Ida, du Dambala, dont le symbole est le serpent. Donc on dit Dambala Wedo. Le mot Awida Wedo est formé du nom de la zone de Daomé, Ida et Wedo, qui est la déesse de l'arc-en-ciel de Daomé. Le prêtresse qui desservit dans le temple était appelé Dangbesi. Donc il faut dire que le symbolisme du serpent dans le judaïsme est venu de là, parce que le judaïsme est issu du vaudou de la civilisation égypto-nubienne, mes amis. Donc en effet, le culte de Dangbe était secret et ayant des degrés d'initiation. Il faut dire qu'on avait certains mots de passe tels que Bossi, Bola, inintelligibles pour les non-initiés. Et ces pratiques existaient bien avant les sociétés secrètes occidentales, mes amis. Donc, tout vient de là. Donc, ce qui est cadre de la compréhension du vaudou haïtien est la partie mystérieuse. Les vaudous haïtiens font tout devant le grand public au grand jour. Donc, cependant, il y a certaines cérémonies qu'on devait se tenir en secret, dans le plus profond secret. Donc, c'est ce qui gâche l'image du vaudou. On voit que le vaudou est la religion des salauds, des sots. Et c'est ce qui fait ça. Mais tout cela, c'est parce que on n'a pas bien organisé le vaudou. On n'a pas érigé le vaudou comme un système de pensée. Donc, il faut dire que la franc-maçonnerie, il n'y a aucune religion, une pratique spirituelle qui est plus affreux que la franc-maçonnerie. On utilise des têtes de mort. On utilise des parties, des ustensiles comme vraiment honteux. Mais cependant, les francs-maçons font tout en secret. Mais lorsqu'ils vont dans le culte de la cérémonie pour parler, ils s'habillent correctement, normalement, et là, on voit, c'est une religion civilisée. Mais dans le vaudou, on ne fait pas ça. C'est ce qui gâche l'image du vaudou. Mes amis, il faut moderniser tout ça. C'est la moderne. Il faut moderniser. Je ne dis pas qu'il faut changer ça, mais il faut moderniser tout ça. Et il faut placer la partie mystérieuse du vaudou, comme toutes les religions. Le vaudou utilise le mot mystère, et le mystère, ce sont les lois. Ce n'est pas ça. Le mot mystère signifie mystère. Dans le culte des Égyptiens, il y a une partie mystérieuse qui se fait en secret. C'est comme ça dans le vaudou. Il faut qu'il y ait une partie mystérieuse qui se fait en secret. Et c'est là, mais on fait tout pour le grand public. C'est ça qui diabolise le vaudou.
On n'a pas bien organisé ça. Le vaudou est un problème d'organisation, un problème philologique, mes amis. Et touchons maintenant le panthéon du vaudou haïtien et la théogonie dahoméenne. Faisons une simple comparaison. Mes amis, il y a un vaudou ou un esprit ou un ange qu'on appelle l'Egba de la théogonie de Dahomey. Et ce Legba est le dieu de la génération et de la fécondité. On a dressé sa statue dans tous les carrefours. Et ce dieu est appelé de la même manière en Haïti. On le dit, on le décrit sous l'épithète maître des carrefours, maître des grands chemins. Donc c'est pourquoi les vaudouisants haïtiens chantent Papa Legba ouvert barrière pour moi, agoyer, etc. Donc, à ce dieu, on sacrifiait des moutons. Et en langue fongbe, le mot mouton se dit legbo. Donc, ce qui signifie animal de legba. Donc, c'est un animal et qu'on avait consacré ou offert à ce dieu. Donc, les femmes qui voulaient avoir d'enfants lui offraient des poules pour leur fécondité. Donc, mais il faut dire qu'avec le temps, le legba est devenu un mauvais génie, un mauvais esprit. Et pour dire qu'un homme est mauvais, en fondé, on dit sous nous legba nous, c'est-à-dire un méchant, un mauvais homme. Donc, c'est ainsi que quelques hommes veulent rapprocher, dans ce sens, le vaudou du mitraïsme en adorant legba. Et il faut dire qu'il y a des explications qui se cachent derrière les dieux dahoméens. Parce qu'il y a des hiéroglyphes sur les temples des vaudous de ce pays. Donc, principalement sur les temples de Ouida, un capitaine français appelé Fonsa Grive, avec l'aide de quelques indigènes, les ont déchiffrés. Ont déchiffré ces écritures-là. Mais il faut dire que lorsque l'Égyptien parle d'Osiris, il s'agit d'une figure derrière laquelle se cachent des notions de science physique. Et c'est pour cette raison Plutarque rapporte l'explication de ces figures selon l'enseignement des prêtres égyptiens. Il décrit toutes ces figures dans son livre titré Isis et Osiris. Donc par exemple, Osiris, dans certaines conjonctures de la cosmogonie égyptienne, symbolisait le Nil. Donc c'est le Nil lorsqu'on parle d'Osiris. Donc ce ne sont pas des dieux et des esprits tels qu'on le comprend. Donc, cette manière de penser existe dans la cosmogonie dahoméenne également. Et il existe dans le vaudou haïtien la même conception. Donc, lorsque l'Égyptien dit chou, il le qualifie de dieu. Mais il s'agit uniquement de l'air, c'est-à-dire un élément naturel. Donc, il faut dire que la science était seulement cachée sous des couverts, des thèmes théologiques, mes amis. Mais c'est pour expliquer le monde. Donc, moi, je suis en master en cas mythologie, en ligne, en master en cas mythologie, et dans un institut qui se trouve à Côte d'Ivoire, un institut qui met maintenant chez Kanda Diop. Donc, en tant qu'haïtien, je vois qu'il y a une parenté entre les ververs, les écritures sacrées du vaudou haïtien et les hiéroglyphes égyptiens. Et je vais effectuer un grand travail dessus. Donc, en effet, il faut dire que l'égyptologue, disciple fervent de chez Kanda Diop, Jean-Charles Covid-Gomez, faisait le projet de venir déchiffrer les ververs à la lumière de l'égyptologie. Mais il a laissé tomber le projet. Mais je vais continuer avec le projet parce que je vois la parenté entre les ververs, l'écriture sacrée du vaudou haïtien et les hiéroglyphes égyptiens. Par exemple, en Fongbe, l'arc-en-ciel s'est dit Aïda Wedo, en Fongbe, l'arc-en-ciel, on dit Aïda Wedo, vous dites arc-en-ciel. Donc, ce qui signifie le soleil de la terre. Mais son temple était à Ouida, à Dahomey. Donc, avant tout, l'arc-en-ciel est seulement un phénomène naturel. Et donc, il y a des explications scientifiques pour expliquer l'origine de l'arc-en-ciel. Donc, ces hommes avaient des explications théologiques de ces phénomènes naturels. Donc, mais il est juste, l'arc-en-ciel est juste divinisé. Mais en réalité, percé dans une vision théologique du monde, ben il ne s'agit pas d'un esprit, d'un dieu tel que l'on comprend, mes amis. Donc, il faut dire que Aïda Wedo est un roi de la cosmogonie du vaudou haïtien.
Mais les vaudouisants haïtiens ignorent les caractères symboliques de cette terminologie. Et les représentants, les représentations symboliques dans le monde naturel. Mes amis, en effet, en fond, le loco est un vaudou, un esprit. Et on dit que c'est un esprit qu'on pense incarner dans un arbre. On le sait en Haïti aussi sous le même nom. Donc, il y a un autre vaudou qu'on appelle Ati Vaudou. Il est symbolisé par les arbres qu'on plante dans les cours. Et c'est de là que vient la pratique haïtienne visant à diviniser les arbres. On pense que l'arbre est habité par un esprit. Donc, il faut dire que cette conception est bonne, puisque cette conception empêche le déboisement des forêts. Donc, ce qui peut amener le réchauffement climatique. C'est bien cette conception. Donc, il faut ajouter, pour éviter de dire trop de choses, dans les vaudous, on entend souvent Aïe Bobo. Donc, il faut dire qu'en fondé, Abolo, Bobobo, sont des onomatopées d'applaudissements. Ce sont des onomatopées d'applaudissements. Donc, c'est comme lorsqu'on dit bravo. Donc, en fondé, le dosou, dos ça désigne un enfant après qui naît après deux jumeaux. Donc, de même en Haïti, ces mots, ces termes désignent, et c'est là, dans le créole haïtien. Mais les dessous sont des lois en Haïti aussi. On les adore, tout ça. On les divinise. Il faut dire que Awe est devenu Asson en Haïti. Awe, c'est un terme qu'on utilise dans la cosmogonie d'Aoméenne. Et c'est devenu Asson en Haïti, une petite calebasse qu'on se sert dans les cérémonies du vaudou. En forme de le mot zo signifie feu et kazo signifie chair. Donc, lorsqu'on dit kanzo en Haïti, le kanzo est celui qui n'a pas peur du feu et des objets chauds. Donc, tout cela, vous pouvez voir comment nous sommes africains, comment nous sommes africains dans nos âmes, dans nos sentiments, dans nos mœurs. Donc, il faut signaler que le royaume de Dahomey, un souverain du nom de Adahousso Ier, il était divinisé après sa mort. Dans le vaudou, on le nomme Adahousso. Donc, ce roi est régné sur le royaume de Dahomey entre 1650-1680. Donc, on peut dire que ce nom existe dans le vaudou haïtien aussi. Mais il faut noter qu'il y a des variations dans le vaudou haïtien. Dans le nord, il y a une certaine conception théologique. Dans le sud, il y a une certaine conception théologique. C'est comme la théologie égyptienne. À Yunou, il y a une certaine conception théologique. À Wassem, ça veut dire à Thèbes, il y a une certaine conception théologique, mais il s'agit des variations d'une seule cosmogonie, d'une seule vision du monde, d'un seul système du monde. Donc, en effet, il faut noter que les mots tels que loa, on utilise ces mots et grandement en Haïti, loa, ougan, a dit ougan, wanga pour dire, imagine ougan pour dire ougan, loa, tous ces trois mots-là qu'on utilise souvent dans le vaudou haïtien ne sont pas des mots en langue fongbe, mais ce sont des mots issus des langues congolaises, dis-je. Donc, il faut dire que loa signifie esprit, wanga veut dire magie, etc. Donc, il faut dire que Nzambe, zombie, vient du terme africain Nzambe. Et le terme Nzambe signifie Dieu, signifie esprit, une âme. C'est le même mot. C'est-à-dire un zombie, un esprit, une âme. Et qu'on appelle après la mort, c'est un Nzambe, un zombie. C'est là l'origine de ces mots. Ce sont des thèmes africains. Donc, en effet, ce qu'il faut retenir est que les fonds sont les chefs qui organisent la cérémonie du bois Kaïma à Saint-Domingue. Donc, cela veut dire que ce sont les vaudouisants qui avaient fait la révolution haïtienne, mes amis, qu'elle ouvrait ou non. Donc, en effet, ce sont nous, les vaudouisants, qui avons libéré les soi-disant chrétiens, les aliénés qui se disent chrétiens et qui se disent haïtiens nègres actuellement. Il a été fait avérer, on ne peut pas être nègre et être chrétien à la fois, être musulman, être franc-maçon, tout ça. Ça, ce sont des phénomènes d'aliénation. Donc, en effet, Dorsainville, il faut citer cette citation, Dorsainville dit des fonds. Il dit, les fonds étaient en possession d'une écriture hiéroglyphique que les savants anglais Sketchely et le capitaine français Fonsagrive ont déchiffré. Et aucun de ces savants que nous avons parcouru n'a essayé, selon la traditionnelle coutume, de la rattacher à l'écriture égyptienne.
On devine d'ailleurs que les fonds, malgré les qualités que nous leur avons reconnaissons, n'étaient pas arrivés à cette hauteur de conception métaphysique qui a signalé les anciens adorateurs d'Osiris. Et cette écriture hiéroglyphique couvrait l'intérieur des temples, racontait les exploits des monarques, les légendes des vaudous, en même temps qu'elle fixait les croyances religieuses. Et donc, vous voyez que la croyance religieuse des fonds a été fixée, mais dans le vaudou, cette croyance n'a pas été fixée. Ceci est évalué, et on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Cela n'est pas organisé. C'est là le problème du vaudou. Donc, il faut dire que les savants, c'est-à-dire Sketchley et Fonsagrive, et ne voulaient pas rattacher les écritures symboliques des fonds et les hiéroglyphes pour nier la parenté entre l'Égypte et l'Afrique, mes amis. C'est un fait avéré. Mais il y a une parenté entre les ververs et les hiéroglyphes égyptiens, c'est sûr. Et je le constate en tant que canitoulo. En effet, les Européens ont tendance de dire que nous sommes des polythéistes. Nous adorons tous les esprits et non le grand Dieu. Donc, dans ses villes, dans son livre « Vaudou et névrose », il dit que la religion des fonds est une religion monothéiste. Et beaucoup d'historiens occidentaux admettent cela. Donc, et dans la religion des fonds, Dieu est appelé Mahou. Dans le vaudou haïtien, on l'appelle grand maître. Et il est supérieur au vaudou, c'est-à-dire aux esprits. On ne peut le représenter par aucune image, c'est-à-dire cette conception et vous visant à ne pas représenter le grand Dieu est antérieur au judaïsme. Ce n'est pas Moïse qui a établi ça, mais c'est une conception traditionnelle africaine. C'est une conception vaudouïque. C'est une conception fondée. Donc, Mahou, selon la cosmogonie des fonds, intervient que rarement dans les affaires de la destinée humaine. Et le vaudouisant haïtien le comprend comme ça aussi. Donc, on dit que Mahou juge les morts après le trépas. Et les fonds disent que chaque homme est représenté devant Dieu et par un bâton. Et à l'une des extrémités des bâtons sont notées les bonnes et les mauvaises actions. Donc, ce qui représente la balance des hiéroglyphes. Donc, on dit que l'âme est récompensée selon là où le bâton est penché. Donc, si ce bâton est penché du côté du mal, bon, l'âme sera condamnée. Donc, on dit que les âmes qui font le bien vont au Kourmé. Kourmé, vont au Kourmé, ce qui est égal du paradis. Donc, Kou signifie afond de mort et Toumé signifie séjour, c'est-à-dire séjour des âmes. Et donc, elles sont admises en présence de Mahou, c'est-à-dire en présence de Dieu, en compagnie des vaudous, des esprits, des ancêtres qui ont été glorifiés. Donc, et les mauvaises âmes étaient précipitées par Mahou, c'est-à-dire par Dieu, dans le corps d'un animal pour une nouvelle vie d'épreuve. Donc, après ces épreuves, il peut retourner pour passer une autre vie jusqu'à ce que l'âme soit arrivée à la perfection comme les ancêtres méritants. Donc, il faut dire que les fonds présentent une dualité entre le bien et le mal. On dit que Mahou pour Dieu qui fait le bien et l'Egba pour le diable qui fait le mal, chef du mal. Donc, telle que les religions chrétiennes, vous voyez tous les éléments de la religion égyptienne et des religions dites révélées se trouvent dans le vaudou et dans la religion des fonds et dans le vaudou haïtien également. Donc, les vaudouisants n'ont rien à envier au christianisme, seulement une ignorance de l'origine de leur spiritualité et amène les vaudouisants à maudire eux-mêmes, à inférioriser eux-mêmes. Donc, ils ont ignoré que toutes les croyances chrétiennes, les croyances des musulmans et des juifs sont venus des traditions religieuses et des religions traditionnelles des peuples africains. C'est un fait avéré. Mes amis, il faut noter que tous les noms des lois sont des noms des esprits des tribus africains, tels que les fonds, les arabes, les nîmes, les bibis et les maïdes, mes amis, en grande partie. Mais seuls quelques noms provenant de l'imaginaire haïtien, tels que Ezili Balian, c'est-à-dire Ezili Mapian, et Marie-Louise, qui était la femme de Pétion, et fait partie du panthéon du vaudou haïtien. On peut dire que femme sèche, Marinette Pied sèche, est une déesse, et Ezili Jérôme, tout ça, ce sont des dieux issus de l'imaginaire haïtien. Mais
tous les lois et toutes les autres lois en général sont issues, ce sont des lois et leurs noms viennent des langues et des tribus d'Afrique. Donc, je dis que les religions traditionnelles africaines, le vaudou, haïtiens sont les mêmes religions. Parce que nous sommes un seul peuple. Plusieurs nations, une seule culture, telle que le dit Cheikh Diop. Nation. Nègre et culture. C'est l'étude du livre de Cheikh Diop. Nation. S. Nègre. S. Culture sans S. Cela veut dire qu'il y a plusieurs nations nègres, mais une seule culture. Une seule vision du monde. Un seul système de pensée. Donc, en effet, je me pose cette question. D'où viennent les Noirs qui peuplent le continent africain? Viennent-ils de l'extérieur du continent ou viennent-ils de l'intérieur du continent? De quelle contrée viennent-ils pour peupler ensuite le reste du continent? Donc, Cheikh Diop, dans son livre « Nation nègre et culture », démontre que les premiers habitants de l'Afrique étaient les pygmées, c'est-à-dire des Noirs, à haute taille. Donc, ces pygmées habitaient la région des Grands Lacs, sur la vallée du Nil, la région des Grands Lacs, c'est l'Éthiopie, l'Égypte et tant d'autres. Donc, il faut dire que il démontre que tous les peuples de l'Afrique ont une origine nilotique, tous les peuples d'Afrique. Et c'est pour cela qu'il a démontré que les origines égyptiennes des Yoruba, les origines égyptiennes des Laobès, les origines égyptiennes des Pèles, les origines égyptiennes des Toucouleur, les origines égyptiennes des Séré, les origines égyptiennes des Ani, des Bamoun, des Maures, etc. Presque tous les peuples d'Afrique. Et tous les peuples d'Afrique viennent de l'Égypte. En un mot, nous sommes tous des Égyptiens, nous sommes tous des Nilotiques, nous sommes un seul peuple, mes amis. Donc, ainsi que nous, les Haïtiens vivant dans la diaspora. Et souvenez-vous que la liste que nous venons de faire mention et la liste et des peuples desquels viennent le peuple qui peuple Saint-Domingue, on dit que le peuple, les Toucouleurs, les Yoruba font partie des tribus qui peuplent Saint-Domingue. Vous voyez que Cheikh Diop a démontré que les Toucouleurs, le peuple, les Yoruba, ce sont des peuples venant de la vallée du Nil. Donc par conséquent, nous, les Haïtiens, nous avons une origine nilotique. Cela veut dire que nous sommes des Égyptiens. Nous sommes venus de la vallée du Nil, de la région des Grands Lacs. Donc, en effet, et voici ce que nous devons comprendre. L'Égypte avait subi des invasions. Les invasions des Hyksos. Les Hyksos, ce sont des Sémites, c'est-à-dire des Juifs, ou des Arabes, et des Indo-Européens, c'est-à-dire les Blancs, qui peuplent l'Europe actuellement. Et ces hommes avaient envahi l'Égypte en 1650 avant notre ère, c'est-à-dire avant l'ère de Jésus. Et c'est là les Sémites, c'est-à-dire les Juifs et les Arabes, avaient appris tous les éléments de la spiritualité des nègres africains, c'est-à-dire des nègres égyptiens et des nègres éthiopiens. Donc ensuite, depuis à ce moment, les Égyptiens laissaient l'Égypte et entraient à l'intérieur du continent africain. Ils apportaient avec eux le savoir sacré en Afrique. Ensuite, et ces Égyptiens, lors des invasions Hyksos, avaient laissé l'Afrique pour venir jusqu'en Amérique. Et les historiens ont remarqué la date du début de la civilisation des Mayas correspond directement avec la date de l'invasion des Hyksos. Cela veut dire que ce sont les Égyptiens qui avaient porté les éléments de la civilisation en Amérique pour bâtir les pyramides que nous voyons en Amérique, là, les pyramides des Mayas. Bon, ensuite, il faut dire que les Perses avaient envahi l'Égypte en 625 sous Cambyse et des Égyptiens avaient laissé l'Égypte et entré à l'intérieur du continent africain. Et à ce moment encore, les Égyptiens apportaient avec eux tous les éléments de la spiritualité égyptienne. Et ensuite, il faut dire que Bouddha, qu'on a adoré en Chine, en Inde, Bouddha n'est pas un Indien. Bouddha n'est pas un Chinois. Mais Bouddha était un prêtre de Memphis, qui fuyait sous la persécution de Cambyse, apportait avec lui les éléments de la spiritualité égyptienne. Donc, avant longtemps, lorsqu'on regarde la statue de Bouddha, on verra certains nègres gros nez, grosse bouche, tout ça. Et là, on verra que c'est un nègre, Bouddha. Donc, c'est avec le temps, on a modifié sa statue pour le faire ressembler avec un Indien ou un Chinois. Donc, après l'invasion des Perses, Alexandre le Grand avait envahi l'Égypte. Et c'est à partir de là, les philosophes grecs,
laissait la Grèce pour aller s'instruire en Égypte. Et c'est à partir de là, les Grecs ont volé les sciences physiques, mathématiques, philosophiques, théologiques de l'Égypte. Et les Grecs, les philosophes grecs, avaient apporté avec eux ces éléments scientifiques pour fonder la spiritualité, pour fonder la civilisation occidentale. Donc, après l'invasion des Grecs, les Romains, sous Jules César, en l'an 50, avaient envahi l'Égypte. Là, les Romains avaient apporté avec eux tous les éléments de la spiritualité égyptienne pour fonder Rome, pour fonder l'empire impérialiste romain qui dominait le monde actuellement. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on prend le catholicisme, c'est une copie collée de la religion égyptienne, mes amis. Donc, mes amis, il faut dire que durant toutes ces invasions, les Noirs égyptiens fuyaient toujours au cœur du continent africain, apportaient avec eux tous les éléments de la science, de la spiritualité. Et c'est pour cette raison, nous voyons que les Yoruba, les Fon, tous ces peuples avaient des conceptions analogues avec celles de l'Égypte. Et c'est pour cette raison, nous pouvons constater qu'il y a des éléments concrets dans le vaudou haïtien issus de la religion égyptienne. Et il faut dire que même les terminologies qu'on utilise dans le vaudou existent de la religion, de la spiritualité scientifique de l'Égypte antique. Donc, j'ai dit que la religion des Fon, de laquelle vient le vaudou haïtien, est d'origine égyptienne. Donc, les hiéroglyphes et les systèmes du monde qu'ils ont inventés et sont semblables avec ceux de l'Égypte. Donc, des traditions africaines racontent la venue des Égyptiens au sein de leur continent au moment des invasions des Sémites, des Indo-Européens. Mes amis, il faut dire que le mot vaudou n'est originellement pas venu de la langue des Fongbé, mais et le terme vaudou vient de Wenkemet, c'est-à-dire la langue ancienne de l'Égypte. Donc, le mot pour dire vaudou se trouve dans les médinétiens, c'est-à-dire dans les hiéroglyphes égyptiens. Regardez à l'écran, on verra les hiéroglyphes pour dire vaudou. La prononciation est Wouroun. On verra quatre graphies à l'écran, regardez à l'écran. Et tous ces graphies signifient offrande, libation, fait sacrifice, offrande, libation. On verra une graphie, un cop parmi ces graphies. Et n'oubliez pas, le cop est le dernier stade de la langue parlée des anciens égyptiens. Vous voyez, le cop dit la même chose et le mot signifie offrande, libation, etc. Donc, il faut dire que le vaudou consiste à faire des libations, à offrir des offrandes à un esprit. Et c'est pour cette raison, n'importe quelle religion qui pratique des sacrifices des animaux, faisant des libations avec de l'eau ou de l'alcool, est une religion vaudouïque et le vaudou. Donc, ce ne sont pas nous, les nègres, qui sommes des vaudouisants. Même les Hébreux sont des vaudouisants, puisque les Hébreux faisaient des sacrifices des moutons, jetant de l'eau, faisaient des libations, consacraient les ustensiles des temples de Salomon avec de l'eau et du sang. Tout cela, il s'agit du vaudou. Et le judaïsme et le vaudou, c'est copie-collé. Et le judaïsme vient du vaudou. Il n'y a aucune pratique qui se fait dans le vaudou qui ne se faisait pas dans le judaïsme. Le judaïsme des anciens hébreux est le vaudou. Toute religion qui faisait des sacrifices des animaux, qui jetait de l'eau par terre, qui jetait de l'alcool, qui jetait des sang sur les histoires, tout ça, c'est le vaudou. Parce que le vaudou est la spiritualité primitive. C'est la première spiritualité du genre humain, mes amis. Il faut admettre ça. Donc, lorsqu'on lit l'Exode, le Lévitique, on verra que les pratiques du vaudou se trouvent dans le judaïsme des Hébreux. C'est la même religion. Et on ne peut pas dire que le vaudou a imité le judaïsme. Mais de préférence, c'est le judaïsme qui a imité le vaudou. Parce que Moïse a été initié par Jéthro. Jéthro était un Éthiopien, un Africain. Et Moïse était issu dans toute la sagesse des Égyptiens. Et toutes ces pratiques de vaudou viennent de là. Donc, par conséquent, le judaïsme des Hébreux est d'origine nègre, est d'origine vaudouïque. Donc, il faut dire que un grand savant français qui se nomme Dupuy avait écrit un livre qui a pour titre l'origine de tous les cultes, l'origine de tous les cultes de l'humanité. Donc, il a montré que toutes les religions du monde sont des branches de l'antique religion égyptienne. Toutes les religions du monde en général. Donc, il dit vrai. Il y a pas à sortir de là. Parce que toutes les religions du monde font la même chose que les vaudouisants. Ils font des sacrifices des animaux, ils jettent de l'eau par terre, ils honorent les ancêtres, ils font tout ça. Ce sont des religions vaudou. Mais cependant, lorsque les Européens font cela, c'est de Dieu. Mais lorsque nous, les Noirs, faisons la même chose, c'est du diable. C'est ce que nous devons reconnaître.
Et c'est pour cette raison ils ont trouvé des nègres aliénés, des nègres occidentalisés pour leur foi, pour soumettre avec eux. Donc, et c'est pourquoi notre révolution, il faut bannir tout ça. Et il faut dire que même le mot, il faut dire que même le mot Ougan, Boko, existait en Égypte. Regardez à l'écran, on verra les graphies, hiéroglyphiques désignant le mot Boko. On verra la graphie en cop. Le mot signifie travailler, travailler pour quelqu'un. Le mot c'est lui, bac. Donc le Boko était celui que l'on a consulté pour faire un travail mystique. Donc, tandis que regardez à l'écran, on verra la graphie pour dire le mot Ougan. Le mot c'est lui, Aka. Donc, cela veut dire législateur, juge. Donc, il y a une grande différence entre un Ougan et un Boko. Le Boko est celui qui exerce. Lorsqu'on est malade, on peut consulter un Boko pour une guérison quelconque. Mais le Ougan est un philosophe, un législateur, un savant qui légiférait, qui, lorsqu'il y a un malentendu entre des hommes sur une doctrine, on consulte le Ougan pour donner la vraie doctrine, pour légiférer, pour trancher. Lorsqu'il y a un conflit entre plusieurs personnes, c'est le Ougan qui règle tout cela. Parce que le Ougan est un législateur, le Ougan veut dire juge. Donc, ça, il y a aucun problème. Mais dans le vaudou, on ne fait pas ça, parce que le vaudou n'a pas une organisation. Et c'est pourquoi il faut organiser le vaudou. Donc, et on verra que le mot Boko, encore, veut dire berger, et le mot veut dire pasteur, même le mot Ougan veut dire cela. Et c'est pour cette raison qu'on a représenté les pharaons et les juges avec un bâton. Et le bâton est le verge des bergers. Et c'est pour cette raison. Et je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on dit pasteur, le Ougan, le mauvais dit pasteur, Boko, le mauvais dit pasteur, berger. Donc, lorsqu'on appelle un homme Ougan, c'est péjoratif. Lorsqu'on dit un homme pasteur, c'est amélioratif. Donc, je ne vois pas pourquoi. C'est un problème de mots, c'est un problème de jeu de mots. Lorsqu'on dit Boko, on dit pasteur, on dit Ougan, on veut dire la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc, le pasteur qui se tient dans les églises protestantes, le prêtre qui se tient dans les églises catholiques, ce sont des Boko, ce sont des Ougans. C'est le même mot. On a un problème de mots, mes amis. Donc, on a tellement de problèmes. Lorsqu'on veut remonter à l'origine des choses, on cherche l'origine, l'étymologie grecque, l'étymologie latine. Cela ne veut rien dire. Parce que tous les thèmes scientifiques, tous les mots, les terminologies scientifiques de la langue latine et de la langue grecque viennent de la langue scientifique de l'Égypte. Chacun de ta job a démontré cela. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on veut comprendre un mot et thème, généralement, on doit remonter jusqu'à l'Égypte pour comprendre l'origine du mot. Et c'est là notre problème. On ne veut pas remonter jusqu'à l'origine en Égypte, la source, la mère de toutes les civilisations, de toutes les sciences de l'humanité, pour comprendre les choses. Et c'est pourquoi, lorsqu'on dit un mot Boko, on pense qu'on dit une bêtise. On dit un mot diabolique. Mais lorsqu'on dit pasteur, on dit un mot divin. Donc, c'est un problème linguistique et un problème philologique. Il faut résoudre tout ça. Donc, en effet, mes amis, après avoir fait tout ça, je ne fais pas tout ça dans le vide pour rien. Mais mon objectif en étudiant tout cela est de sauver mon pays, Haïti. Mes frères coupés dans l'ignorance, dans le mépris des Occidentaux. Et mon objectif est de marier l'Afrique et Haïti avec une théorie scientifique. Donc, si le vaudou haïtien est notre tradition, est commune avec toutes les traditions africaines et l'antique civilisation égypto-libyenne, donc Haïti ne peut être isolé des grands courants de pensée, mais en Afrique actuellement, mes amis. C'est pour ça que je fais ce travail. Donc, je vais marier Haïti avec l'éthiopisme, c'est-à-dire avec la doctrine de pensée de Cheikh Diop. Donc, c'est là mon combat principal. Donc, l'éthiopisme a des objectifs à atteindre, il faut être clair, tel que recréer la civilisation des Noirs et basant cette civilisation sur le débris de la civilisation égypto-libyenne. Ensuite, refonder un corps de sciences humaines basant sur les humanités classiques et de l'antiquité égyptienne et éthiopienne, c'est-à-dire sur les documents anciens des philosophes éthiopiens et des philosophes égyptiens, les documents médecins, les documents philosophiques, les documents théologiques, les documents mathématiques. On doit refonder des corps de sciences sur ces documents-là. De même que les Occidentaux ont fondé des corps de sciences sur les humanités, c'est-à-dire sur les écrits, sur les documents laissés par les savants de la Grèce antique et de la Rome antique. Donc, ensuite, nous-mêmes, c'est là notre objectif. Donc, pour fonder tout ça, ça ne concerne pas seulement l'Afrique, puisque Haïti fait partie du même peuple, nous avons la même culture,
La même vision du monde, la même tradition pour cela, le diopisme doit être inclus en Haïti. Donc, par conséquent, l'objet de fonder le code des sciences humaines, de créer la civilisation des lois, Haïti doit être inclus dans tout cela, mes amis. Et pour marier le destin Haïti avec celui de l'Afrique. Et ensuite, il y a un autre objectif que le diopisme veut atteindre, et c'est réaliser et restaurer le monothéisme ancestral d'Osirisme. Et c'est-à-dire fonder une religion continentale, monothéisme, et après quoi bannir les religions dites révélées, l'islam, le christianisme, après ça pour mettre les noirs à l'abri de toute aliénation culturelle. Donc, organiser les religions traditionnelles africaines sur l'Égypte antique, je dis qu'on doit inclure Haïti dans tout cela, parce que la culture, la tradition haïtienne qui est le vaudou, est celle de toutes les traditions des peuples africains. C'est pour cette raison ce projet de la restauration du monothéisme ancestral d'Osiris, Haïti, le vaudou haïtien, doit entrer dans tout cela. Et c'est là mon combat. Donc, en démontrant tout cela, c'est pour montrer que Haïti est le peuple africain. Et c'est pour cette raison qu'on doit faire ça. Donc, ensuite, le diopisme a un objectif à atteindre, réaliser l'État fédéral africain. Donc, si on ne veut pas parler, chacun d'adjoint ne parle pas d'Haïti, parce que pour eux, Haïti, il ne fait pas ça par mauvaise foi. Pour eux, Haïti fait partie d'une autre civilisation. Mais moi, je démontre et je vais publier un document dessus. Je démontre et je vais démontrer qu'Haïti ne fait pas partie de la civilisation occidentale. Haïti fait partie de la civilisation africaine. Et c'est pourquoi tous les projets sociétals, civilisationnels africains, Haïti doit être incluse dans tout cela. C'est là mon combat. Et ensuite, mes amis, je constate qu'il y a beaucoup d'avenir dans l'éthiopisme. Il symbolise le salut de l'Afrique à venir. Mais aucun panafricain ne songeait à intégrer Haïti dans le rêve fédération africaine. Donc, tout cela parce qu'on pense qu'Haïti est un autre. Donc, Théophile Obenga dit que l'argument linguistique est l'argument le plus solide pour prouver que peuple fait partie du même peuple. Donc, si le créole haïtien est une langue africaine, Diolo vient de montrer que le créole haïtien, le créole en général, est d'origine égyptienne. Donc, si le créole haïtien fait partie des langues négro-africaines, eh bien, nous sommes un seul peuple. Par conséquent, le projet de fédération africaine Haïti doit faire partie de ce projet. Le projet de la restauration de la civilisation des nègres Haïti doit faire partie de ce projet. Le projet de bâtir un code des sciences humaines sur les humanités classiques égypto-libyennes Haïti doit faire partie de ce projet. Le système éducatif haïtien, après avoir réalisé tout ça, doit être comme celui de l'Afrique, non comme celui du Canada, de la France, des États-Unis, de l'Occident. Parce que les coutumes, les mèches des Haïtiens ne sont pas semblables avec celles de l'Occident. Et c'est pourquoi CARICOM, pendant 50 ans, ne reconnaît pas Haïti parce qu'on dit que Haïti ne partage pas la même culture que... Et c'est fait avéré, c'est vrai. Haïti ne partage pas la même culture, la même tradition que les peuples des Amériques. Nous sommes des Africains, nous sommes des Vaudouisants à la base. Et c'est pourquoi tous les grands projets sociétaux, les grands projets civilisationnels, nous devons inclure Haïti dans tout cela. C'est là mon combat. C'est là mon combat. Mes amis, je peux vous dire, et Haïti est le seul pays indépendant en Amérique. La Jamaïque, qui a plus de noirs que de blancs, est un État anglais. La Martinique, la Guadeloupe, qui ont plus de noirs que de blancs, ce sont des États français. Haïti est le seul État indépendant, le seul État nègre. On peut dire, dans le monde, Haïti et l'Afrique, ce sont les seuls contrées des nègres dans ce bas monde. Et c'est pour cette raison, on ne peut rien faire pour l'Afrique sans le faire pour Haïti. On ne peut rien faire pour Haïti sans le faire pour l'Afrique. C'est le même État, c'est un seul peuple. Nous avons la même culture, la même langue, la même vision du monde. Et c'est pour cette raison, Haïti, après avoir battu l'armée française, la plus grande armée du monde, les Occidentaux ne vont pas nous pardonner. Et c'est pourquoi nous sommes dans une instabilité chronique. Et cette instabilité ne finira jamais, mes amis. Haïti est une petite île. Haïti, elle seule, ne peut se battre contre les États-Unis d'Amérique, qui ont la plus grande armée du monde. On ne peut pas se battre contre les États-Unis d'Amérique. Et on ne peut pas se battre contre l'Europe. Tandis que l'Europe et les États-Unis font corps pour détruire Haïti. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul salut. Il n'y a qu'un seul salut. Haïti, au lieu de se battre pour Haïti de façon isolée, on doit se battre pour la réalisation de la fédération africaine. En réalisant la fédération africaine, Haïti, en tant qu'une île, doit être un État de la dite fédération,
toucher Haïti, c'est toucher la fédération. C'est pour cette raison, on doit faire corps. Donc, on peut être ami avec la Russie, on peut être ami à la Chine, parce que la culture des Chinoises n'est pas comme celle d'Haïti. La culture de la Russie n'est pas comme celle d'Haïti. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire faux corps pour faire un seul peuple. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul contrée qu'on peut fédérer avec dans le monde, en Haïti, c'est l'Afrique. Parce que nous avons les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, les mêmes croyances, les mêmes visions du monde. Et c'est pour cette raison, mes amis, mon combat est noble, est légitime. Je dois prouver, je dois démontrer l'identité africaine et haïtienne, c'est la même identité, la identité commune de ces deux contrées, après avoir montré cela, donc il ne reste aucune chose à faire, c'est balayer Haïti là et l'Afrique. Donc, la fédération ça, du Sahel là, donc si Haïti était resté de la vision de Dessalines, et le président, le dirigeant haïtien doit rejoindre cette fédération-là pour faire quoi avec? Mais on ne fait pas cela. C'est là mon objectif. C'est là mon objectif. Et c'est pourquoi il faut organiser des meetings. Il faut faire cela, tout un mouvement pour entrer toute la population civile haïtienne dans cela, pour se battre pour cela, pour faire d'Haïti un État africain, un État des nations fédérées d'Afrique. Sans cela, Haïti, en tant qu'une île, une petite île, restera isolé dans le sous-développement, dans la pauvreté, de façon éternelle, de façon permanente, mes amis. Parce que même si Haïti a une armée, cette armée ne peut pas se battre contre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, tous ces grands pays. C'est comme si le monde, on ne peut pas faire ça. C'est pourquoi, au lieu de rester Haïti, on doit conserver Haïti tout en combattant pour la réalisation de la Fédération africaine pour le salut d'Haïti. C'est là. Mais après ça, les Noirs vivants, les diasporas, les Afro-Américains, tous ces Noirs-là sont sous la domination. Seul Haïti est un État indépendant. Et c'est pourquoi Haïti doit fédérer avec l'Afrique. C'est là le combat. C'est là mon objectif. Mes amis, je dois faire de cela tout un mouvement, je dois tout organiser. Et organiser une organisation pour militer au nom de cette idéologie pour pouvoir atteindre l'objectif pour sauver Haïti.